Mardi matin, salut à tous. Alors, pas mal de choses à vous dire, notamment là, Eric est parti. Il est quoi? Il doit être 11h30. Si vous vous souvenez, notre télé était tombée en panne, enfin, elle n'est pas tombée en panne, elle est vraiment cassée. Bah, il le vivait assez mal quand même, Eric. Du coup, bah, il n'a pas résisté, il est allé sur Internet et il en a trouvé une neuve, je ne sais pas sur quel site, une très très grande, encore plus grande que celle qu'on avait. Genre à un prix super intéressant, 50%, parce que l'entourage est métallique, donc peut-être un peu moins vendable, mais bon, on s'en fout. Et bah là, en fait, il est allé la chercher dans un relais, il attendait, il était au taquet, il a reçu, genre à 9h, c'était déjà arrivé, il m'a dit, tu viens, je... Bah non, je suis pas prête. Donc il y est là, il va revenir avec la télé, et en plus, il avait prévu le coup, c'est-à-dire qu'hier, on est allé à Leclerc, et il a acheté le Blu-ray, mais pas n'importe quel Blu-ray en fait, le Blu-ray avec la retranscription vraiment comme le réalisateur voulait qu'on le voit au niveau du son, au niveau le truc au top du film Le Joker. Nous, on n'est pas très très salle de cinéma. On aime bien être à la maison. Du coup, ce film, bah, on l'attendait avec impatience et ça va être ce soir avec la même télé. J'ai hâte. Autre chose, oui, donc moi là, il faut que j'aille chez Action pour acheter notamment des choses pour la maison, mais en entretien, ce genre de truc. Donc, en rentrant, je vous tourne un haul Action que vous aurez très certainement vu hier, normalement, si j'ai eu le temps. Voilà pour les petites choses. Il y a également le fils d'Eric qui est là. Enfin, il n'est pas là, là, parce qu'il est chez sa sœur, mais en fait, il est là pendant une semaine. Et bah, j'ai d'autres choses à vous dire également, mais je pense que ça sera après dans le vlog. Bébé Jackie est toujours là. Il est content. Hier, je l'ai coiffé. Vous savez, avec sa petite brosse, là. Je ne le fais pas trop parce que ça reste abrasif, mais il a kiffé. J'ai enlevé plein, plein de bouloches. Donc ça, c'est ce qu'il n'aura pas dans son bidou. Un petit aperçu rapide que vous vous rendiez compte un peu de l'état d'excitation d'Eric. Il a tout balancé, tout ça, c'était dans sa voiture. Et bah, il est parti. Je vous montre quand même rapidement, parce que ça se trouve, quand je rentrerai, il aura déjà tout installé. La télé actuelle, donc ça nous dépannait, pour que vous voyez la grandeur. C'est très sombre, hein, parce qu'à chaque fois, les rideaux sont tirés, ambiance cinémascope. Et voilà, donc bah, j'espère... Enfin, on s'en fout, comme je vous ai dit, si jamais le gris, ça tranche, c'est pas un salon ici. Hein. Il est parti tellement vite, il a tout laissé allumé. Versailles. Bon, juste pour vous montrer ce joli ciel bleu, je suis devant chez Action. Je suis éblouie. J'ai bien l'impression qu'il n'y a personne. C'est vraiment l'heure idéale, quoi. Midi, midi moins 10. Alors, ce que je vais faire, c'est comme d'hab, ce que je n'achète pas, je vous montre. Et puis, bah, le reste, ça sera dans le haut. Mais oui, il y a un truc très important qu'il faut que je vous dise. Il faut que j'y pense en rentrant. Ils sont tout mignons, ces petits washi washi. La folie de la papeterie, des carnets et tout chez Action. Il est sympa celui-là. Vous voyez, à chaque fois, il y a des déclinaisons, plusieurs couleurs, plusieurs motifs. Ah, j'avais jamais vu ça. Apéritif. Bowl. C'était en quoi ça? Eco-friendly. Putain, on trouve ça de plus en plus. Pinewood. Pinewood, c'est du bois d'ananas, ça, je crois bien. C'est original. Donc, tu mets tes petits gâteaux apéro, cacahuètes et compagnie. Et il y a des plus petits. Ce rayon est toujours compliqué pour moi. Les bougies, là, ça sent tellement fort, c'est entêtant. Ces petits ramequins aussi, j'aime beaucoup. Bon, j'en ai déjà pas mal, hein, donc je ne prendrai pas. Mais c'est qu'ils ont changé les rayons, les emplacements. Ah bah oui, Pâques. Je vois les petits lapins derrière. Évidemment, ça va commencer. Je vous montre quand même rapidement le petit rayon Pâques. Il n'y a pas énormément de choses. Mais tu as toujours des petits éléments mignons. C'est vrai que je n'achète rien. Hein. J'aimais bien par contre, quand elle était petite, je lui faisais des chasses au trésor. J'adorais ça, je lui cachais plein de trucs dans la maison avec des petits, comment ça s'appelle, des indices. Elle adorait aussi forcément. Bah, j'ai trouvé des choses. Pendant que j'étais chez Action, Eric m'a appelé en me disant « ça y est, on est à Chartres oui, », parce qu'il a récupéré son fils entre-temps. Vu qu'on va rentrer vers 13h, tu peux nous prendre des petits sandwichs? Évidemment, j'ai faim en plus. Par contre, je sais pas où je vais aller. J'ai pas envie d'aller genre Inter Leclerc. Bon, je vais aller dans une boulangerie. Alors, il n'avait plus le sandwich toasté chèvre jambon que je voulais, donc je vais dans une autre. Nous sommes arrivés en même temps. Regardez, c'est immense, 65 pouces. Bon, bah, j'ai hâte de voir la télé installée. Pour le moment, c'est sandwich. Ça a l'air super bon et c'était pas trop cher, 8 euros. Il y a deux panini et un sandwich classique. Il faut faire chauffer, elle m'a dit 30 secondes au micro-ondes et puis juste un petit peu au four. C'est génial ce que tu nous as fait. Bah ouais. Et 8 euros les trois.
J'ai C'est pas pas trouvé ça curieux. excessif par Bon, rapport tant mieux. ouais, à d'autres En endroits. plus, ça a l'air bon. Eric est complètement nerveux, il a même pas envie de manger, il est tout énervé. Toi aussi, qu'est-ce que c'est ça dans ta maison, ce gros carton? J'ai vraiment hâte de voir. T'es noué du ventre? Je suis loué du ventre. Tu m'étonnes. Ah, tu perds pas de temps, t'as déjà viré l'autre là. Mais comment on peut m'en sortir? C'est pas mal comme astuce pour cacher ta tête. On n'a pas fini de l'entendre parler de cette télé, mon Zaki, hein? Ah oui, parce qu'il est là. Bah, il est collé à sa maman. Il attend de la nouvelle télé. C'est pas possible. J'ai une nouvelle télé, je pense. Bah, c'est bien, oui. J'oublie pas que je dois vous parler, mais ça sera après. Je préfère faire ce que j'ai à faire et après je serai tranquille. Je vais aller me coiffer. Me changer quand même. Et puis bah tourner mon haut laxon. Bon, j'ai rien fait de particulier, hein. J'ai gardé la tenue. Je me suis juste remaquillée et puis coiffée vite fait. Eric m'appelle, je pense qu'il veut que je voie l'installation de ma télé. Alors? Oh! Ah ouais. Et t'as encore tout mis dans le noir. On est carrément dans le noir là. C'est une salle de cinéma, c'est Ah pas. ouais, tu m'étonnes. Bon. Et après, il faut que je bosse, bébé. Hein. Oui, mais tu peux. Alors là, Ça dure t'es. 5 minutes. Ok. Je peux pas te dire mieux. C'est C'est très long. bon? C'est long, 5 minutes. Allez, vas-y. Hein? C'est ouf, hein. Est-ce qu'on est bien? Et coucou, je vous retrouve pour un haul action. Tournage terminé. Et regardez, avant que j'oublie ce qu'Eric m'a acheté hier en Amara Leclerc, la figurine qui vient de sortir de Harley Quinn. Je l'ai pas ouverte, je vous attendais. C'est dans la même famille que ma petite Catwoman. Oh, j'adore. Et la prochaine, ce sera, eh bien, Wonder Woman, évidemment. Mais avant d'ouvrir Harley Quinn, de vous parler des choses que je dois vous parler, je vais faire le montage parce qu'il y a 18 h, il faut que ce soit en ligne. Pendant que c'est en train de charger, je suis contente, elle est bien. Elle est marrante la vidéo. Si vous n'avez pas été la voir, il y a eu un guest. Eric, il s'est invité à un moment pendant au moins 3-4 minutes. C'est assez drôle. Je vous montre la figurine. On découvre ensemble la figurine. Ils sont juste à côté. Ils sont en train de, dans la chambre d'Oscar. Ils sont en train de changer les télés et tout, tout, et tout. La vieille, elle pèse une tonne là. On n'a même pas réussi à deux. Alors, tout est mis comme ça. Je la monte et puis je vous montre une fois que c'est fait. Elle est super mignonne. Rigolote. J'adore. Je sais pas où je vais la mettre. Peut-être pas à côté de l'autre, ça fera trop. Mais je suis fan de cette collection. Franchement, il y en a encore pour 2 heures. Hein. Facile. D'accord, donc on peut aller se promener un petit peu Ouais, quand tu peux aller te promener. Ça me paraît correct là pour papoter, hein? C'est assez lumineux. Donc, il y avait deux choses, mais je pense que je suis pas certaine de vous parler tout de suite maintenant de la deuxième chose. La première, c'est quelque chose de très très léger. Rien à voir, mais vous voyez là? J'ai cru que mes lunettes étaient pétées, j'ai un peu flippé. C'est l'ombre. Donc, je vous avais parlé il y avait peut-être un mois que j'avais envie de recommencer l'arrêt du sucre. J'ai commencé, voilà, je ne vous en ai pas parlé. J'ai commencé il y a 2 jours, je suis en sevrage. Mais comme c'est hyper fragile et que pour le coup, là, c'est dur, c'est très très dur. Autant la dernière fois, ça allait. Mais là, le manque est vraiment intense. Pourtant, j'ai gardé mes tartines de confiture du matin. Petit à petit, je les enlève. Mais j'ai retiré tout ce qui était, moi, à partir de 4 heures, c'est là que ça commence. Et le pire, c'est le 19, 20, 21, 22, 23. J'ai arrêté les gâteaux, les chocolats, le grignotage, les glaces, tout ce qui n'est pas bon du tout, on est d'accord. Déjà, ça, c'est une bonne chose. Mais le truc dingue, c'est que là, par exemple, j'ai pas craqué du tout, à part mes confitures, ma petite confiture du matin. Hier soir, quand j'ai terminé de manger, au moment de passer au dessert, donc j'ai rien pris. Et tu sens ton ventre en gros qui te dit bah ouais, la suite elle est où? Parce que il y a un manque. Et c'est absolument ouf. Limite, t'as envie d'aller te coucher tôt pour que d'être le matin. Parce que pour moi, c'est beaucoup plus facile de me priver du sucre le matin jusqu'à, je vous dis, 4, ouais, 5, 6. C'est plutôt le soir, moi, que je suis en manque. Et vu que j'ai quand même cette petite carence en fer et tout. C'est fragile tout ça, mais je veux tenir bon. Et évidemment, si je craque et tout, je vous en parlerai aussi. C'est pour ça que je voulais pas trop vous en parler parce que c'est comme je vous dis, c'est très fragile et je suis pas sûre de mon coup. Je suis pas sûre. Je vais faire ce que je peux, mais bon. Voilà. Et la deuxième chose, alors là, c'est beaucoup plus chiant, plus problématique. C'est quelque chose qui m'angoisse vraiment énormément. Depuis d'ailleurs, ça fait il y a 2 jours, j'étais vraiment pas bien, j'avais pas vlogué. Ça concerne YouTube, ça concerne voilà, un petit peu ma chaîne. Je ne vous en dis pas plus, mais
comment te dire, j'aimerais vous dire, mais je préfère voir comment ça évolue, vraiment. Mais c'est pas cool, c'est pas cool du tout d'avoir cette sensation de d'être, je sais pas, c'est pas important, mais d'avoir une épée tout le temps au-dessus de ta tête, là, ça me saoule, je supporte pas de pas être à l'aise comme ça. Après, c'est moi, hein, c'est moi qui ai décidé, banco, sans filet, je veux faire que ça, YouTube. J'ai bossé, hein, c'est pas la peine de dire, bah, j'ai bossé pendant 15 ans, c'est une décision mûrement réfléchie, c'est YouTube et c'est tout. Je suis arrivée à un moment où je sais ce que je veux. J'ai envie de rentrer dans les détails, mais je sais pas. Bon, je vous en parlerai plutôt demain. Suspense. Ce soir, je vous avais dit, c'est soirée avec la nouvelle télé, le Blu-ray. Je pense qu'on va manger. Je sais qu'il n'y aura pas de dessert. Et puis Oscar, lui, je crois qu'il va... Il va chez sa sœur faire une petite soirée. Voilà, tranquillou. 18h36. Ben voilà. Ben, je serais bien descendue manger un truc, mais non, il ne faut pas. Il est 8h30, un truc comme ça. Eric vient de déposer son fils chez sa fille. Et nous, ben, on s'est commandé des pizzas qu'on va aller chercher tout à l'heure pour forcément, devant le film, ça peut être très sympa. Et j'ai hâte de manger, comme je vous ai dit. J'ai vraiment très très faim et j'ai mal au crâne. Mal au crâne, ça c'est peut-être le manque de sucre, c'est possible. On vient de commencer, donc 5 minutes, rien que les 5 premières minutes, c'est waouh, super interprétation. La télé, elle est canon, mais canon, oh, on est vraiment dedans. Et là, Eric, eh bien, il est parti chercher les pizzas. Elles étaient à 7 euros les pizzas, ça valait le coup. Ah oui, c'est les mardis foot. Et on a un bébé Jackie. Tu vas piquer la place de ton père. Non. Nous, on veut bien que tu sois là, mais gentil, arrête. S'il te plaît, va te poser, va faire dodo. Tu vas avoir peur avec Joker. Tu le sais, ça. Je crois que quelqu'un t'a piqué ta place, bébé. Pizza classique. Champignons. Là, par contre, on a fait péter... C'est l'avalanche. Avec genre raclette et compagnie. Ah, bah, je mange plus de dessert, donc je me lâche. Et celle-ci, ah, c'est l'indienne, mais sans curry. Elle est drôle. Elle est super bonne. Que de la crème fraîche. Elle s'appelle l'indienne. Va comprendre. Il est 23h30. Bon, bah, je comprends pourquoi Joaquin Phoenix a eu l'Oscar du meilleur acteur. En même temps, déjà, quand j'avais vu les extraits, je me dis, oh là là, ça va être du lourd, je sens. Très, très bien, vraiment. En plus, en le regardant avec la télé qu'on a, le son Dolby en 4K, pff, plein ta tête. Franchement, c'était cool. Bah voilà, je vais terminer ce vlog. Je vais monter, me démaquiller, bouquiner. Il est vraiment génial aussi, le livre. Je vous avais déjà montré, mais... Je le savoure. Sinon, bah, je vais vous faire un gros bisou et puis je vais monter, me coucher et vous dire à demain pour la suite des aventures. Salut !